JE 73, pour vous faire le topo rapidement, c'est un ensemble de jeunes qui se sont aujourd'hui rassemblés autour d'une association, mais qui était autrefois simplement la commission jeunesse. La commission jeunesse, c'est notre statut au sein de la mairie qui nous permet aujourd'hui d'organiser cet événement, la 9e édition de cet événement Remballe ta flemme. Ça fait 9 ans que ça existe, en association avec l'Office du tourisme de la Grande Plagne, Valais. Et donc on organise cet événement. Autrefois, on se déchargeait de ce qui est restauration et on s'occupait exclusivement de l'activité. Aujourd'hui, on a englobé l'ensemble de l'activité et chaque année, on essaye d'innover. L'objectif de base de Remballe ta flemme, c'est que les jeunes organisent des choses pour les jeunes. Ça va tout simplement d'un cadre festif et animé comme la journée. On organise des activités pour les enfants de bas âge comme un petit peu plus actives. On a le bungee ejection cette année, on se fait éjecter par des élastiques. On essaye de faire vivre un petit peu tout le lieu de Centre d'Em, le théâtre de verdure avec des spectacles en fin de journée. L'intérieur de la basilique est utilisé pour faire un escape game. Pas mal de choses. On s'entoure aussi de toutes les associations et les clubs actifs de la région. Cette année, par exemple, on peut retrouver le Tarentaise Judo à ma droite. On a le magasin et le club de VTT M in Bike, c'est pour moi. Et donc, on s'entoure aussi d'Adamantium Fitness, qui est la nouvelle salle de sport qui propose un parcours d'obstacles. Donc, c'est en s'entourant comme ça de plein de gens qu'on arrive aujourd'hui à organiser tout ça. Et on arrive surtout à proposer un ensemble d'activités pendant la journée qui sont gratuites. Franchement, l'événement, il est cool. Il y a pas mal d'animations. Puis franchement, il y a la bonne ambiance, il fait beau quoi, donc c'est cool. Ça se passe bien, j'ai été terrifié par le saut, j'ai encore les jambes qui tremblent, mais c'était super. C'était super, il y a une très bonne ambiance et ça sent très bon le manger.